Bon, salut à tous. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Alors, Lily Rose est ultra contente, enfin, moyennement contente ouais. aujourd'hui. Parce que, regardez, la chambre n'est pas dans son état normal. Ouais. Il y a un matelas ici, un matelas là. Enfin, il y a le lit de Lily Rose, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, elle organise une soirée pyjama. Une méga voilà. pyjama party. Ouais. Et là, on a un très très gros problème. C'est pour ça qu'on fait une vidéo. Ouais. En fait, on voulait vous montrer l'installation de la pyjama party. Donc là, on est au tout début. Donc on a installé les lits. Mais après, elle va installer des ballons un peu partout. Ouais. Elle a acheté des combinaisons pour les invités. Des combinaisons un peu en mode nounours, quoi. Un peu comme ça. Voilà, elle a acheté plein de trucs. Ouais. Sauf que là, on a un gros souci. Ouais, vous ça allez voir. Des... Vous allez fait, voir le souci. On a que ça. Voilà. Comme... En gros, on a demandé à Peppa Pig d'aller faire les courses pour la pyjama party. Et... Donc on lui a dit, il faut que tu achètes plein de bonbons, faut que tu achètes des boissons, tout ça. Il a acheté une pizza alors qu'il y a 4 personnes qui arrivent et il a acheté 2 paquets de bonbons. Donc bon, voilà quoi. Donc en vrai, s'il y avait 2 personnes, ça va. Mais en plus, et ils ont prévu de faire une soirée avec un film. On va mettre une télé, etc. Et attention, ça va être des films. Des films d'horreur apparemment. Bon, moi je suis pas trop pour, je pense qu'ils vont avoir peur. Mais bon, enfin bref. Là, ouais. Peppa Pig qui est un peu en train de gâcher la pyjama party. Parce qu'elle avait dit à tous ses amis que ça allait être un truc énorme avec ouais. plein de bonbons, etc. Et du coup, bah là, on se retrouve avec ça. Bah... C'est bien attends, aussi, mais... Attends, j'ai une idée. Quoi? Attends, viens. J'ai une idée. La sorcière, elle est ici en ce moment. Bah oui, comme d'hab. La sorcière. Mais oui, ce qu'on peut lui faire, on lui ramène les bonbons. Ouais. Et on lui dit, vas-y, pour une fois, tu vas servir à quelque chose. Tu ah oui, et on lui fait multiplier les bonbons. Ouais, on lui demande de multiplier les bonbons. Ah, mais c'est grave une bonne on idée. Dit, on te donne un paquet comme ça, et tu nous fais 5 paquets comme ça. Oh, vas-y, on lui demande ça. Je suis sûr qu'elle sait le faire. Ok, vas-y, on demande ça. Vas-y, c'est parti. Je pense qu'elle est au sous-sol. Ouais. Bon, les amis, on va aller voir la sorcière. Parce que, bon, on vous a pas trop fait de vidéo avec la sorcière en ce moment. Ouais. C'est normal, c'est parce qu'elle nous énerve énormément. Enfin, j'ai même pas les mots en fait. Je sais pas si je dois vous dire ce qu'elle. Je sais pas si je dois vous dire en ce qu'elle vous fait. Elle est trop bizarre, genre vraiment, elle a un comportement trop bizarre. En fait, en ce moment, elle vient la nuit. Elle travaille que la nuit. Enfin, elle travaille. Elle fait ses potions que la nuit. Et elle nous réveille. Hier soir, on a entendu un énorme boom dans la maison. Ouais. Elle a fait une potion. Elle a cassé toutes les ampoules des lumières. On a dû tout remplacer. Ouais. Elle a cassé une vitre de la voiture. Enfin bref, n'importe elle fait que quoi. Des bêtises et ça c'est rien qu'hier. Même la sorcière. Ah bah t'es là. J'en ai marre, j'en ai assez. Et voilà, vous êtes là. Bah oui, on est là. Non, non, moi j'en ai assez, je m'en vais. Du coup, hein? On a assez. Je m'en vais d'ici. Comment ça tu t'en vas? Mais t'es en train de faire ta valise là. Oui, exactement. Là j'ai réuni mes petites affaires. Mon petit train. Tu fais quoi là? Je m'en vais dans ma forêt. Hein? Mais t'es pas besoin ici? Tu pars de chez nous? Oui, j'en ai assez. Pourquoi? On t'a fait quoi? J'ai besoin de vacances. Elle a besoin de vacances pendant. Mais attends, mais tu rigoles. Non, tu nous as embêtés pendant des mois et des mois pour venir habiter ici. Et une fois qu'on t'accepte, tu pars. Ouais, attends, je pars en vacances. Hier, on l'a virée quand même. Hein. Non, en même temps, elle fait trop de bruit. Ben oui, non, mais c'est surtout tout ce qu'elle casse. Bon, on peut pas te demander un dernier conseil, s'il te plaît. Moi, j'ai besoin de faire mes expériences et tout, moi. Oh, bah... Bon, écoute, on a besoin de toi une dernière fois. Alors, avant de partir, on t'a quand même hébergé pendant plusieurs mois. Oui, c'est vrai, et alors? Bah, regarde. Bah, en fait, non, c'est pas non, pour non, toi. Non, c'est pas pour toi. J'organise une... pas pour moi. J'organise une soirée pyjama et Peppa Pig n'a. Non, arrête de faire ça. Mais quoi? Et Peppa Pig n'a acheté. Oh! Non, mais ça, c'est. Ah, mais arrête, tu te laveras les mains. Et Peppa Pig n'a acheté que 2 sachets de bonbons alors qu'on est beaucoup. Bah, c'est énorme. Ils vont être 5 et on a que 2 paquets de bonbons. Ouais. Et on a qu'une seule pizza. Peppa Pig, il a rien pris. Et alors? Ah, allez, alors, on te prête le paquet de bonbons. Une petite chauve-souris en plus. Non, on te prête ça et toi tu dois les multiplier. Oh, trop facile. Ah bah tiens. Allez, on te les laisse, fais tes sorts. Ouais, et par contre, tu n'as pas vraiment besoin. Oui, oui, quoi. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Alors, en échange... Et on t'embêtera plus. T'as le droit de rester voilà. Une nuit ici en plus. Je peux faire toutes mes expériences. Voilà. Oui, t'inquiète pas, je peux faire tout le bruit que je veux. Calme-toi, mais voilà, essaye de... Tu fais tes expériences le jour, ouais. Mais pas la nuit, d'accord? Ouais, voilà. D'accord. Est-ce que je peux prendre un petit chat avec moi? Non. T'inquiète pas, non, on t'emmène pas nos chats dans la forêt. Oh là là, bon, attends, viens, Lily Rose, viens. Dépêche-toi. Bon, on va se mettre ici. On va lui laisser faire ses expériences, ok? Ouais.
parce que j'ai pas envie. Parce que une fois sur deux, ça rate. Hein. Enfin, même plus qu'une fois sur deux. Bah, donc, même trois fois sur quatre, quoi. C'est pareil, c'est en vrai. En vrai, la sorcière, elle a quasiment jamais réussi des expériences. Ouais. Attends. Quoi? J'ai oublié un truc. Quoi? Ça tombe, elle sait pas le faire, ça. Mais ça tombe, elle va juste en profiter pour manger les bonbons et dire qu'ils ont disparu. Purée, j'espère pas. Non mais si on se retrouve avec zéro paquet, bah là c'est la fin. Oh, purée. Bon, écoute, viens. On va quand même l'espionner, on va quand même l'observer. Allez, c'est parti. C'est bizarre, cette pièce, elle sent une odeur. Ouais. Ça sent la chauve-souris, là. Ouais, ah mais je suis sûr qu'elle a fait des expériences ici. Bon, la sorcière, ça avance. Alors, tu réussis. La sorcière. Je rajoute un dernier ingrédient, une dent de dinosaure. Une dent de dinosaure. D'accord. Oui. Bon, par contre, dépêche-toi parce que les invités arrivent dans. Dans une heure là, même pas. Mais c'est pas possible. Il me faut 6 heures. 6 heures. Pour faire attention. Mais ils sont où les bonbons? On n'a pas le temps. Mais ils sont plus là. Ben non. Attends, mais la sorcière, qu'est-ce que t'as fait encore une fois? Mais il faut qu'ils disparaissent les bonbons pour qu'ils se multiplient. Et ils seront là que dans 6 heures. 6 heures? Mais non, mais dans 6 heures, là, c'est ça. Mais on n'a pas le temps. Attends, je vais essayer. Oui, bah, débrouille-toi pour nous en apporter d'autres. On est vraiment dans le cas. Ah là, vite. Bon, j'essaye de résoudre le problème. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on va essayer de trouver une solution d'urgence. Et on a peut-être des bonbons dans le cellier. Ouais, peut-être. Oh là là, mais on peut pas. Ah, non, mais le peu qu'on avait... J'ai peut-être un truc dans mon armoire, dans ma chambre. Attends, on peut prendre ça, là. Je crois que j'en ai dans mon armoire. Ça, c'est bien. On peut... La sardine. Non, c'est... Viens, je crois que j'ai un truc. Mais viens, je te dis que j'ai quelque chose. Du cassoulet. Viens, je te dis que j'ai quelque chose, je pense. T'es sûr? Ouais. Bon bah j'espère qu'elle a vraiment quelque chose. Parce que sinon on va devoir donner du cassoulet. Enfin c'est bon mais bon. Quand même, c'est pas des bonbons quoi. Allez. Bon t'es sûr que t'as quelque chose? C'est quoi ça? Bah c'est des bonbons. Ah mais lui il est entamé. Et ça c'est quoi? C'est des bonbons japonais. C'est des paquets entamés, non ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, je sais pas. Au pire, on annule la pyjama partie. Non, mais t'es fou, juste pour des bonbons, c'est pas si grave que ça non plus. Mais si, mais il y a pas d'autres pizzas, il a pris qu'une pizza. Bah. Il y a pas de quoi nourrir les gens. Bah, on peut commander. Commander? Je sais pas. Bon, écoutez les amis. Ah, si, j'ai ça, en fait. J'ai peut-être une technique. Peppa Pink n'est pas là pour le moment. Du coup, ce qu'on va faire, vas-y, on va au magasin. On va au magasin et on achète 50 paquets de bonbons. Non mais là c'est trop là. Non mais c'est trop 50, on n'aura jamais fini. De quoi jamais fini? Ouais mais au moins il y en a plein. Comme ça on se venge de Peppa Pig. Bon au pire tu sais quoi, on attend que les 6 heures de la sorcière soient passées. Mais dans 6 heures ils seront bah on dit que on prépare nos bonbons fait maison. Du coup ça met du temps à arriver, voilà. Bon écoute, c'est peut-être une idée. La sorcière, elle a pas pu manger tous les bonbons en 2-3 minutes comme ça. À mon avis, elle les a cachés quelque part. Ouais. On essaie de les récupérer et si on les retrouve, on se dit qu'il y aura que ça ce soir. Ah bah la sorcière. Désolée, c'était Banane Rose. Ma potion, elle a pas trop marché. Quoi? Les bonbons, ils se sont transformés en ketchup. Hein? En banane. Comment ça? Et un kiwi. Oh. J'ai dû me tromper. Mais c'est pire. Dans ma formule. Purée, comment on va faire là? Mais pourquoi ça s'est transformé comme ça? Bah, j'ai rajouté une chauve-souris en plus. Je savais qu'on n'aurait pas dû faire ça. Attends, je vais vérifier quelque chose, j'arrive. J'ai rajouté une chauve-souris. Liros, viens avec moi. J'y crois pas du tout à cette histoire. Pour moi, ça cache quelque chose. Oh. Alors, on va aller dans la pièce de la sorcière. Ah mais... Elle a voulu prendre le chat dans sa valise. Oh mon petit Murphy. Oh le pauvre. Oh. Bon, regarde s'il n'y a pas les bonbons quelque part ici. Ah, on a dit, elle les a cachés. Où est-ce qu'ils sont? Bah non, ils sont pas là. Ils sont pas là? Les amis, je suis persuadée qu'elle les a cachés quelque part et qu'elle veut pas nous le dire. C'est sûr qu'elle a pas réussi à transformer des bonbons en kiwi, en ketchup, c'est n'importe quoi tout ça. Banane, oui, bon, au pire, on lui demande. Bon, la sorcière, où est-ce que t'as caché les bonbons? Ah, ils sont là. Non. Si. Non, la sorcière, c'est sérieuse. Attends, mais t'as voulu nous voler les bonbons, on les a vus.
Remontre-les-nous. Remontre-les-nous. De quoi? Ils sont derrière toi, je les vois. Mais non, t'as voulu, mais t'as voulu gâcher. Ah, ils sont derrière vous, les bonbons. T'as voulu gâcher la pyjama partie. Regardez. Non, tu vas... Ils sont derrière vous. On t'a proposé une nuit de plus ici, et en plus, 4 bonbons. Non, mais là, tu vas être viré tout de suite. T'as voulu gâcher l'anniversaire, la pyjama partie de Lily Rose. Non, je vous promets, j'ai pas de bonbons. Bon, écoute, tu vas nous les rendre, parce que les invités arrivent dans 5 minutes. Et si on te les rend, tu peux rester une nuit quand même. Bon. Bon, écoutez, je suis désolé, mais je vous ai menti. Ah. J'ai pas pu les multiplier. Ouais, tout ça parce qu'en fait, tu sais pas faire le sort et que t'es une fausse sorcière, c'est ça? Bah oui, je connais pas le sort, mais j'aime tellement les bonbons que j'ai voulu les garder pour moi tout seul et j'ai inventé une histoire. C'est bientôt Halloween. On va s'en acheter. Lily, est-ce que je pourrais en prendre quelques-uns? Non, t'as pas intérêt à déranger les amis d'Lily Rose pendant la pyjama partie. Et cette nuit, tu as intérêt à te tenir très très bien, à carreau. Je peux même pas faire des blagues. Non. Avec mon ami le squelette. Non, tu fais aucune blague. Parce que si tu leur fais peur, ils vont vouloir s'enfuir. Ouais. Et puis comme ils ont prévu de regarder des films qui font peur. Je peux venir lire. Non. J'aime bien, c'est des films de squelette. Non, des films de ce que machin là. Allez, c'est parti. Bon, les amis, je pense qu'on va vous laisser là, on va finir d'organiser la pyjama party parce qu'ils arrivent dans 5 minutes et on a plein de décorations à faire. Ouais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et surtout à aller sur le Pink Lily Shop. Pour acheter nos produits, allez sur le Pink Lily Shop, ouais. On est bientôt en rupture de stock de tout, donc dépêchez-vous. Ou allez sur une autre vidéo qui apparaît juste là. On se dit à la prochaine. Ciao.